invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Dès l'orage de vaincre nous anime, que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai de mes pires adversaires. Vous n'avez absolument aucune origine et pourtant vous voulez de l'Inazo et des îles sanctuaires. Alors que... Clairement, vous êtes beaucoup trop pittoresque pour être d'origine des îles sanctuaires. Attendez deux secondes. Quant aux Inazo, surtout tout... une Riolu. Je crois que nous serions au courant s'il restait une Riolu sur le marché. Façon. Sur le marché, il y a des ventes de Riolu. Simple façon de parler, je vous rassure. Attendez. Maître Percival. Vous pouvez m'appeler Kitcho, permettez... petit. Maître Kitcho, j'aimerais savoir comment cela se fait que vous savez exactement ça, alors que la seule personne à qui nous avons adressé ces informations était l'instructeur. Alors déjà, avant de répondre à ta question, sache que me lécher les bottes ne sert à rien. Ensuite, disons que nous avons des yeux et des oreilles partout. Mais ça, vous êtes déjà au courant. Oui, je me demandais si le sergent Matt Chopper avait des liens avec Fukushu. Ah, lui, certainement pas. Aussi rigide qu'une chaise. Bon, au moins c'est bon à savoir. J'aurais dit aussi rigide qu'une... Et peut-être vous avez dit ça exprès. C'est à vous de voir. Vous avez vraiment le passant. Merci. Je ne suis pas sensible aux flatteries. Qu'est-ce que veut votre boss de nous? Qu'est-ce qu'il aimerait savoir? Une simple preuve de votre... comment dire... dévouement à la cause. Quelle cause? La nôtre, bien évidemment. Précisez-la. Les Pokémon, quoi d'autre? Donc ce serait le bien-être des Pokémon la cause, donc... bon, je suppose que là, on est quand même en lieu sûr. On est bien d'accord que tout n'est pas très clair au conseil. Est-ce que vraiment un seul système arrive à être parfaitement clair, surtout quand il y en a plusieurs? Non, en effet. Je vous rassure, même le nôtre n'est pas. Mais au moins le nôtre est géré par un être que je qualifierais de... unique. Honnête? Ah, unique? Oui. Pour vous faire très très simple, boss, est quelqu'un qui connaît la valeur de la vie et qui sait parfaitement comment faire en sorte d'en obtenir le maximum de jus. Cela peut vous sembler quand même affreux, mais bon. En attendant, nous sauvons des vies. Rien que là, en me donnant ce spécimen, vous avez sauvé beaucoup, beaucoup de vies. Ce Sévipeur, il provenait d'où? Ah, c'était un élu assez particulier d'une... d'une ancienne rébellion. Une ancienne rébellion? Oh, je vois que le conseil ne vous en a pas parlé, c'est normal. Il n'en parle qu'à des équipes très... disons... très particulières. Infortuné seulement. Vous n'imaginez pas le nombre de pots de vin qu'il a fallu glisser pour être au courant de la véritable histoire. Eh ben, ce conseil décidément. Et quand on l'a entendu, on comprend parfaitement pourquoi ils l'ont étouffé. Et pourquoi donc? Bien disons que cela ruinerait beaucoup de choses concernant l'équipe de ce pauvre monde. Est-ce que Memory est au courant? La jeune Memory, croyez-moi, elle est bien plus qu'au courant. Elle a été bien plus que spectatrice. Puis-je vous poser une... Vous venez déjà de m'en poser une. Bon.
vous posez cette question pour vous en... Je les ai ça coupé, j'ai pas compris. Pose ta question et arrête de demander. Oh. Est-ce que vous savez des choses à propos d'une team qui sévit un petit peu aux alentours? Qui sévit un petit peu à savoir la... La team Shadow. Savoir... Est-ce que vous avez des informations sur leurs membres? Bien sûr, oui. Beaucoup d'informations. Ils sont comme vous, ils sont sortis un petit peu de nulle part. Cependant, eux semblent bien plus organisés, bien plus déterminés. Vous avez déjà fait affaire avec... Oh oui, beaucoup de fois. Et ils nous ont... extrêmement déçus. C'est-à-dire, comment ça... Ils ont essayé de vous gruger? Ah, ils ont pas essayé, ils ont réussi. Wow, comment? C'est pas étonnant. Ah oui. Disons qu'on leur a donné un travail et qu'ils en ont profité pour obtenir le maximum de ce qu'ils pouvaient obtenir. Et pour votre bien-être, je préfère ne pas en parler plus. D'accord, d'accord. Juste, dites-moi, est-ce que il y a un membre d'une autre team qui serait par hasard entre guillemets à vos côtés, à savoir le... Mon petit, toutes les équipes sont à nos côtés. Nous sommes les équipes. Donc Lucario est à vos côtés. Lucario. Non, mais bon, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu particulier. Pour vous faire très très simple, il n'a pas sa place de numéro 1 pour rien. Surtout en étant tout seul. Ne dites pas qu'il a aussi payé des... Aussi payé non, des... s'il est capable d'affronter une légende c'est... et qu'il est capable de courir sur l'eau à toute allure, clairement, c'est qu'il est surpuissant. Ah, il est surpuissant, je vous le confirme. Je n'ai pas vu de mes yeux vu le combat qu'il a fait, mais... si la moitié de ce qu'on raconte sur lui est vrai... Mon dieu, il est plus qu'impressionnant. Durant notre petit voyage pour récupérer le paquet, oui, on l'a vu courir sur l'eau et aller d'une île à l'autre en quelques secondes. Ah, intéressant, il aurait quitté l'Azo, surtout pour aller aussi vite. Si je ne me trompe il allait à Kiken, oui, c'est ça, à Kiken. Oh, oui, à Kiken. Pourquoi il serait à Kiken? Peut-être la tour Titanite. Intéressant. On enverra un espion. Je vous remercie pour cette information. Eh, on est des petits nouveaux. Si on peut recevoir de l'aide et aider en retour, je pense que ça ferait pas... Surtout après avoir reçu encore un coup de la Team Shadow. Nous voler toutes nos missions. Oh, je vous rassure, la Team Shadow, ils sont juste inoffensifs. Ils sont juste... opportuniste. J'ai de mauvais sentiments. Non, je pense quand même qu'ils peuvent représenter des risques. Disons que si jamais ils tombaient sur des objets qu'on vous a transmis, croyez-moi, ils s'en serviront pour faire le plus de mal possible. Oh, vous inquiétez pas, on les a à l'œil. Ils ne risquent pas de faire qu'un quelconque problème. Plutôt, il n'y a pas que nous qui avons des yeux sur eux. Oh, c'est étonnant, ça. Étonnant, tellement. Ah, l'ironie, j'adore ça. Bon. Et si nous parlions de notre prochaine entrevue? Oui, bien sûr. J'ai cru comprendre que vous aviez l'intention d'aller dans l'archipel de Eiwa. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. À quel endroit faudra-t-il se rendre sur Eiwa? Oh, je vous rassure, vous êtes totalement libre de ce que vous voulez faire. Cependant, si vous aviez l'intention de passer directement dans notre village, sachez que nous serions ravis de discuter d'un éventuel partenariat avec une dernière mission qui prouverait votre allégeance à notre cause. Ainsi que, qui sait, après tout, vous aime beaucoup. Peut-être une entrevue personnelle avec le boss. Donc pour le village, est-ce que ce serait Imbo, Kokai ou Kibo? Il s'agit de Imbo. D'accord, Imbo. Le village qui est... Comment je pourrais dire... L'un des trois villages principaux qui est
juste à côté de la tour. Je vous déconseille d'aller à la tour, il n'y a rien de bien spécial si ce n'est quelques petits hommes louches qui peuvent trouver là-bas. Je vous inviterai plutôt à rester directement dans votre... Quant aux sanctuaires, n'y allez pas. Vraiment. Pourquoi ? Ah, bah ça dépend. Vous préférez quoi ? Être cuit, être électrifié ou être gelé ? Les trois à la fois. Ah. Eh ben écoutez, rendez-vous aux trois à la fois, mais ça va être compliqué. Ou alors on sépare en groupe et chacun va à un endroit et pour les trois même. Bon, il te regarde toi, Rastis, d'un air... Ça va pas être facile tous les jours, hein. Y a-t-il une date prévue ou disons que nous sommes libres d'y aller dès que nous le pouvons? Absolument aucune. Sachez que de notre côté, nous sommes très actifs et nous aurons toujours du travail. Donc par conséquent, nous aurons toujours ce qu'il faut pour prouver votre idée. Bon, eh bien, je propose... D'ici à là-bas, il y a à peu près combien de temps en Waylord ? Oh ! Waylord, ça fait un sacré bout de temps que je l'ai pas fait. La mémoire, à partir d'ici, vous devriez déjà prendre une bonne journée pour rejoindre l'archipel. De là, à moins que vous décidiez d'y aller à pied, on dirait bien une bonne journée et demie. Est-ce que vous avez des moyens de transport plus rapides ? Puisque bon, nous, notre bâche permet simplement de nous retrouver à notre base. C'est vrai que ce serait plus facile si on pouvait aller directement sur le service de téléportation. Oh, voilà qui est très pratique. C'est 100 pièces. Mais attends. 100 pièces ? Exactement. 100 poké ? Ouf, 100 poké. Ah. Et nous vous évitons un voyage aller-retour. Vous en doutez, c'est pour des cas d'urgence. Surtout qu'en plus, ces Pokémon-là sont bien plus utiles dans certaines missions, notamment pour faire en sorte de remplir des missions. Donc vous vous doutez bien que si vous l'empruntez, il va falloir être rentable. En effet, donc bon, je suppose qu'on prendra le Waylord pour se rendre le plus tôt possible dans ce cas-là. À vous de voir. Comment faire hein. Cependant, je préfère vous rappeler, bien évidemment, que tout travail mérite salaire. Récupérer 233 poké. Oh. Ah ouais. Ah oui, là c'est pas de la petite mission. mais du coup... J'ai vraiment besoin de vous remontrer le spécimen que vous nous avez offert. Orasti. Sinon pire ce qu'on pourrait... là on nous a donné 233. On file 100 et hop, on a le téléporte. C'est pas faux, c'est vrai que là on pourrait déjà s'y rendre. Pas de suite. Ouais, mais je pas de suite. Mieux économiser. Je pense pas. Aussi, là c'est vrai qu'on a besoin, et puis bon, là en plus, de toute façon, on n'est pas pressé par le temps, puisque je rappelle que là on avait accepté justement cette mission, puisqu'on a une semaine à tenir à cause des missions qui ont été volées par la Team Shadow. Du coup, on a largement le temps de faire la journée et demie de trajet pour s'y rendre, et après utiliser les badges pour se téléporter, ça nous fera de l'argent de réserve, je pense. C'est ça. C'est vous qui voyez. En revanche, les prochains travaux que nous pourrons vous proposer ne seront pas dans l'ordre de l'inégalité, si je puis dire. Par conséquent, ils ne seront pas aussi bien payés. Ah. À moins que vous décidez de effectivement travailler pour nous dans le domaine de l'inégalité, c'est vous qui voyez. Si c'est pour la bonne cause. Ça dépend. C'est extrêmement risqué, et surtout, il faut quitter votre équipe. Vous fournissez de l'alcool ? Bien sûr. Je suis new. J'entendais tellement ça. Il vous faudrait tout simplement rejoindre notre équipe et donc quitter votre équipe de secours. Il faudrait la dissoudre et par conséquent détruire votre village. Et ceci est contre-productif pour nous. Donc, ah non, trop compliqué en effet, trop compliqué. Même si vous le vouliez, ça ne serait pas accepté. Car, surtout pour le domaine de l'illégalité, nous prenons que les personnes totalement dignes de confiance. Et je suis navré de vous le dire, vous ne l'êtes pas. Oui, on est encore des nouveaux, c'est normal. Je comprends mieux pourquoi le boss est content de vous, et que t'es un petit peu content de vous. Il vous aime bien. Bah, je pense que dès demain, on commencera à prendre le Waylord pour se rendre sur l'archipel Ewa.
voyez qu'il vous scrute un petit peu, d'un air de juger. Je me laisse regarder. C'est de plus en plus intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant ? Eh bien, j'essaie de comprendre quelque chose, mais ça, j'imagine qu'il ne me le dira pas. Sauf le jour où peut-être il vous rencontrera, on verra bien. C'est-à-dire ? Eh bien, j'aimerais savoir moi-même. Nous verrons bien ce jour-là. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, j'ai un golem à ramener à sa femme aimante. Et un soin à prodiguer, d'ailleurs. Ça aussi, ça coûte cher. Eh ben, bonne soirée. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonne soirée à vous également. Et au plus tôt possible sur l'archipel Aiwa, peut-être. À bientôt. Et vous le voyez partir droit, le torse bombé comme un prince à travers la forêt. Au revoir, monsieur. Chef. Je veux de l'alcool. Non, chef. Je veux aller voir Memory. Pas de soucis, on y va tout de suite. Vous allez voir Memory. Oui, ouais. Je veux aller voir Memory. Une question à lui poser. C'est parti, vous allez donc voir Memory. Mais sur le chemin, lorsque vous rentrez dans le village, vous êtes intercepté. Ou interpellé. Non, par quoi ? Non, intercepté. Ah. En plus rapide, je suppose que tu voudras poser des questions sur la rébellion, c'est ça ? Non. Ok. Hop. Pas du tout. Alors, vous êtes donc intercepté, notamment pour une excellente raison, surtout quand vous allez savoir qui est la personne qui a été interceptée. Ah. Après tout, on va pas se mentir, tu lui as beaucoup manqué. Elle est là. Riolu, tu es attrapé. Oh oui, la voilà. Rentré dans maman le village. Poutou. Enserré dans ses bras, tu ne peux plus respirer. Comment l'a-t-elle retrouvé ? Comment ? Elle sent l'odeur des Riolu. Putain, elle a un détecteur à Riolu. Salut chérie. Un plaisir. Ah, bonjour madame Yokubo, comment allez-vous ? Oh, je vais bien mieux maintenant que tu es là. Comment se porte votre boutique ? Elle va très bien. Putain, tu me fais mal à la joue à force de sourire. Vous la voyez écarquiller les yeux en voyant les volumes. Oh, ton équipe commence de plus en plus à me plaire. Tu vois qu'elle t'attrape toi aussi, Ebli, et tu la tête dans les yeux. Tu te fais choper par la queue et tu te fais prendre un gros câlin avec Riolu. Bon bah le reste on est dévalivé. Allez, on se casse. Chef, on te laisse là, on va avoir Memory, hein. Je vous rejoindrai dès que possible. Voilà, et on laisse. Nous allons les volis. Voilà. Allez, et prenez les volis avec vous. Ah là là, tu vois qu'après quelques minutes d'un gros câlin, elle te finit par te lâcher toutes les deux. Vous lâchez toutes les deux. Ah. Mais beaucoup bac. Rebonjour Memory, enfin bonsoir. Oui, qu'elle vous regarde, oui. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous savez des Pokémon qui acquièrent des facultés psychiques alors qu'ils sont pas de type psy ? Je n'en sais rien. Vous avez pas entendu de... Seulement des rumeurs, des pouvoirs à peu près spéciaux, notamment pour les Pokémon Spectre. Et c'est quoi ces rumeurs, par hasard ? Si vous pouvez en parler, bien évidemment, hein. Simplement des pouvoirs surnaturels, je ne sais pas du tout ce que c'est. D'accord, et ça viendrait que pour les Pokémon Spectre, il n'y aurait pas d'autres types de Pokémon qui en seraient capables ? Si c'est le cas, je ne suis pas au courant, c'est juste que ce sont des pouvoirs assez particuliers. Et ils permettraient quoi, du moins sur les Pokémon Spectre ? Ça offre quoi comme possibilité, entre guillemets ? Des possibilités assez étranges, intéressantes et très intrusives. Notamment le fait de pouvoir lire dans les pensées. D'accord. Lecture de pensée, communication aussi ? Eh bien,
J'imagine que si une autre personne est capable de lire dans les pensées, ils peuvent effectivement communiquer de cette manière. Et si la théorie s'avère juste. Et si la théorie est juste, on peut voir ce que l'autre voit aussi. Comme je vous l'ai dit, il s'agit là de notre domaine de supposition, je n'en sais absolument rien. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est pas grave. Mais merci pour les petits éclairages. C'est bon, j'ai fini, chef. Moi j'aurais peut-être une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe Fukushu et surtout du persian Kicho? Vous avez rencontré Kicho? En effet. Oui, vous la voyez, est-ce qu'il s'est un petit sourire? Un être charmant. En effet, très agréable. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la team Fukushu est une team qui traîne dans des affaires assez louches, mais je l'ai toujours estimé comme un mal nécessaire. Ils ont toujours fait le bien autour d'eux. C'est un sujet qui risque peut-être de fâcher un peu, mais il nous a parlé d'une rébellion. Qui ne sait pas tenir sa langue. Je suis désolé, je ne préfère pas vous dévoiler ce genre de choses. Oui, je comprends, surtout si c'est un sujet qui peut être douloureux. Ça l'est, mais c'est surtout que c'est quelque chose que nous préférons justement oublier. Le meilleur moyen est justement de plus en parler. Très bien, bon. Bon, faudra voir dans ce cas-là peut-être pour notre Zuko, voir si ces crises ne reviennent pas ou s'il n'y a pas d'autres choses bizarres qui surviendraient avec lui. Sinon, merci beaucoup pour les réponses aux questions et bonne soirée, Memory. Je vous souhaite une bonne soirée. La bonne soirée. Oh, Rusty, pourquoi tu as parlé? Maintenant, elle va commencer à se poser des questions. Non, justement, comme j'ai parlé de Kishu avant, elle semblait bien connaître le persian. Je pense qu'elle a dû se dire que Web, c'est... Vu en plus d'autres questions qu'on avait posées au début, elle doit se dire, bon, Fukushu veut peut-être attirer notre équipe dans telle ou telle affaire, et du coup, ils sont en train de parler déjà de certaines informations. Bon. Ce que je propose sinon, c'est que là on fasse dodo, demain on passe par la boutique pour peut-être vendre des objets, se faire un peu d'argent de côté, ou faire des achats pour ceux qui en ont besoin, et après on aille sur l'archipel. C'est pas comme si on venait de recevoir 233 pokés. Et qu'on a également obtenu une magnifique baie citrus et la CT gonflette, et qu'on peut les vendre. Moralité, les enfants, l'illégalité, ça paye. C'est ça. Bienvenue dans le trafic d'organes. J'ai une petite théorie. Saiko, Maiko, vous n'aviez pas de Pokémon Psy, vous, avant? Que je me rappelle. Toi, tu avais un Medidika. Est-ce que l'euphorie était de type Psy? Non, c'est normal. Normal. Mais tu l'avais pas dès le début, toi. Normal et fait. Normal. Ton Medidika, tu l'as pas eu au début. Medidika, si, elle avait dès le début. De mémoire, Medidika, du côté de Meiko, il y avait. Il y avait. Du coup, vous aviez tous des capacités surnaturelles, genre, toi Zuko, tu pouvais lire dans les pensées, voir à travers les murs, t'as juste gardé les pensées. Toi, Meiko, t'as ton sang maudit, est-ce que t'avais autre chose? Oui. J'ai trop aimé ce passage. C'est d'être martyrisé. Le seul truc que t'as, toi, c'est d'être maudit, ouais. C'était tellement bon. Alors, non. Non, je précise, j'avais pas que ça à la base. Mon seul pouvoir, tu vas te foutre de ma gueule, mais je pouvais en fait respirer sous. Ouais, mais ça a pas changé, tu restes une carapuce. Non, enfin, c'est pas que dalle, voilà. De pouvoir respirer sous l'eau. C'est mon avis, hein.
Donc bon, bah j'ai encore le pouvoir, mais bon, je pensais que j'ai développé un autre pouvoir depuis. T'as encore le pouvoir normal, t'es un Pokémon haut. T'es le pouvoir d'être maudit. Tu l'as gardé. Ah, quelqu'un veut essayer, voir s'il apparaît ou pas? On a l'espèce de petit pot à eau ici, donc on va regarder dedans. Non, mais je déconne quoi. Ouais, allez, oui, allez. Viens, je te blesse. Allez, je te blesse. Non. Est-ce que tu saignes? Allez. Allez, faut bien que Iblis soit au courant de ce qui se passe. Non mais attendez, vous voulez vraiment faire l'invocation démoniaque là? On va faire le test. Non. Allez. Voilà. Pro, il est pas drôle hein. C'est vrai qu'on se marre. On invoque Satan. Une soirée bah oui. D'étudiants tout à fait banale. C'est ça. Enfin, ouais. Est-ce que vous voulez vous dire ou faire autre chose? Moi non, c'est bon. Pas d'autres questions, rien du tout? Non, rien de prévu aussi. Peut-être, Seiko, toi t'avais rien de particulier? Ah, si. Ah. Ah, révélation, si j'oublie un truc, tiens. Ah! Bah, en fait je pouvais donner des ordres à des Pokémon et ils les faisaient. Qu'importe... Même si t'as quelqu'un. Est-ce que t'as déjà essayé sur un Pokémon du village? Du genre, par exemple, si on retourne sur. Je sais pas, peut-être Simulard me dise. Va ici. Bah, genre, donne la patte. Non, mais en soi, pas besoin d'aller sur un Pokémon du village, on est des Pokémon. Ouais, mais enfin, on est okay, pas. Ouais, ouais. Tout je vois trop fait... le truc qui s'est retourné contre elle, genre, va ici et tu la vois se déplacer. Ce serait trop drôle. Après, on n'est pas. Totalement des Pokémon, on n'est pas né Pokémon, du coup, bon, faudrait tester sur peut-être un membre du village, du genre, peut-être, bon, discrètement sur Tatakai, du genre, tu nous sers un verre? Non mais ça c'est pas un nom, c'est une... Amène de l'alcool. Non mais je doute que ça marche. Ouais, bah en tout cas c'est bizarre, j'ai quand même conservé mes facultés psychiques. Ouais, et ça, contre... C'est un mystère. Ouais. J'imagine en fait de sa vipère cet état. Bah d'un côté, c'est pas grave, elle est partie avec le persian. Et puis non, je pense que je l'aurais reconnu. Oui, il aurait reconnu la voix, faut pas déconner. Ou alors elle a vachement mûri. Hein. Oui. Oui. Bon, elle aurait toujours été aussi chiante, hein, mais... Ouais, bah, c'est bizarre, c'est hallucinant ça. Par contre, je me pose une question. Par rapport, là, par contre, vos bêtises, tout ça, ça me fait quand même réfléchir par rapport à cette taille. Est-ce que c'est vraiment... Oui, je réfléchis, je t'emmerde. Tu vas retirer les mots de la bouche.